Les gars, pour la réussite de votre vie, il faut être un alpha. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais la chanson, hein, là, hein. Je suis obligé de te le dire parce que sinon si je ne le dis pas, tu ne fais pas. Donc voilà, moi je le dis, voilà, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos, hein, tu connais. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, de pouvoir voyager, être libre, d'accord, sortir de ce truc métro boulot dodo. J'arrive pas à croire qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que ça. Il y a trop d'opportunités, les gars. Réveillez-vous, les gars. Okay, moi, j'ai lancé mon premier business en ligne, c'était en 2016. J'avais fait un lancement c'était sur le saxophone, un business en ligne sur le saxophone. Je vendais des formations sur le saxophone et j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Okay, et pourtant, j'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redoublé mon BEP dans le quartier des Pyramides. J'ai grandi et j'ai réussi à le faire. Donc les gars, et aujourd'hui je voyage, ça fait plus de 2 ans que je voyage dans tous les sens. Hein, je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais habiter, qu'est-ce que je fais. Tu vois, voilà. C'est ce genre de choix que l'on aime. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, je suis perdu. Qu'est-ce que je m'installe où? Dans quel pays? Hein? Ok? Donc c'est tout ce que je te souhaite aussi, mais pour ça il va falloir passer à l'action. Donc tu as tout en description, tu as Influenceur 2.0, la formation phare où j'ai mis tout le savoir que je connais, tout le savoir qu'il faut avoir pour pouvoir créer de l'argent, pour faire de l'argent, d'accord, grâce au business en ligne, c'est super accessible, tu as juste à te lancer, ça fait plusieurs fois que tu m'entends en parler, je ne sais pas pourquoi tu ne te lances pas. Et c'est une question que tu dois te demander, pourquoi je ne me lance pas en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vas trouver ce soir, tu vas trouver plein d'excuses, oui c'est peut-être une arnaque, mais si j'y arrive pas, et si ma grand-mère, oh les gars, soyez un peu des bonhommes les gars, et passons directement au sujet de la vidéo. 5 choses que les hommes doivent arrêter maintenant. Petite vidéo, les gars. Ou voilà. J'ai envie d'en parler. Voilà. 5 choses que j'estime que les gars, il va falloir arrêter. Évidemment, pour le bien, pour ton bien. Évidemment. Pour ton bien, ça veut dire quoi? Pour que tu puisses être une meilleure version de toi-même, pour que tu puisses atteindre tous tes objectifs, pour que tu puisses tout exploser dans ta vie et te débarrasser des choses qui ne servent à rien. Ok, donc première chose, on va en parler direct parce que tu sais, tu le vois venir gros comme une maison. Arrêter la pornographie. Arrêter la pornographie. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est comme une drogue, c'est une drogue dure. J'avais vu une vidéo là-dessus qui en parlait. Mais les gars, pour tout, il faut arrêter. Déjà, premièrement, parce que c'est en train de brûler vos neurones. Et ça va vous poser des problèmes après dans vos relations intimes avec vos meufs ou avec votre femme, tu vois. Et deuxièmement, le truc qui est aussi autant important, j'allais dire qui est le plus important, non, qui est autant important, c'est que les gars, ça vous prend du temps inutilement. Donc après, quand j'entends des gens qui me disent « Ouais, j'ai pas assez de temps pour me lancer dans le business », bah déjà, arrête de regarder des films de cul, tu verras, tu vas trouver du temps. Donc super important, arrêtez ça les gars, c'est pas productif. En plus ça joue émotionnellement sur dans votre cerveau. J'avais vu une vidéo là-dessus. Ça vous met genre en mode dépression, ça vous donne pas envie de sortir, de créer des liens sociaux avec les gens. Non, c'est vraiment une pourriture ce truc-là. Évidemment, je suis pas dans l'extrême. J'avais vu le gars, il disait ça quand la vidéo que j'avais vue, le gars il expliquait que en gros si jamais c'est une fois dans la semaine, un truc comme ça, ça va, tu vois. Bon après je suis pas spécialiste, vérifie ce que je te dis. L'idée c'est quand même, le mieux c'est de jamais regarder. Mais si tu commences à être en mode tous les jours, tout ça, non mec, là mec, t'es juste en train de niquer ta life. Donc première chose les gars, arrêtez la pornographie. Ok, arrêtez la pornographie. Parce que pourquoi la pornographie ça fait autant fureur? Bon, hormis le fait que nous les gars on est des gars super visuels, etc. Tout simplement parce que c'est la facilité. C'est la facilité, tu te dis, ah bah voilà, boum boum, bah, j'ai qu'à regarder un film X et puis c'est bon, tu vois. Moi je pense que le mieux c'est quand même d'être avec une vraie femme. Je sais pas ce que t'en penses. Ok, donc je sais que t'es au courant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu deviens un vrai alpha, t'auras plus besoin. T'auras plus besoin d'avoir accès ou d'être en demande comme ça pour regarder des films X. Ça c'est clair. Ok, parce que tu n'auras plus de problème pour avoir des relations avec des vraies femmes directement. Aussi simple que ça les gars. Donc soyons malins les gars, donc arrête-moi ça. Deuxième chose que les gars, faut vous arrêter directement, c'est arrêter d'envoyer des DM et de mettre des commentaires sous les influenceuses. Oh t'es trop belle, j'aime trop tes cheveux, ah non mais t'as trop raison sur ce que tu viens de dire. Les gars, arrêtez. Vous envoyez un message, comme si genre la meuf va dire, oh mais il est trop gentil lui, ah bah tiens je lui envoie mon numéro. Non, ça marche pas les gars, ça marche pas. Il faut d'abord faire un travail sur vous.
Ok, faut pas faire les choses à l'envers. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo où je disais pourquoi l'homme il doit rester célibataire. Parce que l'homme, en fait, il n'est pas avec sa valeur. Ok, contrairement à la femme. Tu vois, la femme, elle naît, si elle est belle, on va dire, elle doit être notée de 0 à 10. Si c'est un 8 sur 10, c'est une Beyoncé. Elle naît, elle est Beyoncé. Terminé. Enfin, tu vois, elle n'a rien besoin de faire. Un homme, c'est différent. Un homme, pour pouvoir augmenter sa valeur, concrètement, il faut faire de l'argent. Hein, okay, parce que quand tu fais de l'argent, ben, ça rassemble tous les critères qu'elles aiment. Ça veut dire leadership, quelqu'un qui assure financièrement, quelqu'un qui a des coronaises, quoi, tu vois, quelqu'un qui est un vrai homme. Donc, quand tu diriges un business, ben, forcément, tu relis toutes les qualités qu'une femme recherche. Tu vois. Donc, fais un travail sur toi, tu vois. Fais un travail sur toi, crée ton business, sois un leader, développe-toi personnellement, sois une meilleure version de toi-même, apprends la différence entre hommes et femmes. Et quand tu feras de l'argent, ok, c'est parce que ça prend un peu de temps quand même, tu ne vas pas le faire en 2 mois. Okay, une fois que ça va faire ça, tu feras partie des 10% des hommes que toutes les femmes veulent. Et là, à ce moment-là, je te dis, vas-y, envoie des DM. Envoie des DM, voilà, parce que les commentaires, je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Mais voilà, à ce moment-là, envoie des DM, fais des petits likes. Là, ça servira à quelque chose. Sinon, avant ça, si jamais tu es un gars de la moyenne, tu es juste un gars qui a un salaire moyen, machin, pourquoi en fait? Pourquoi tu lui envoies juste de l'attention comme ça? La meuf, elle est super contente. Ah là là, machin, elle va même pas te calculer, elle va même pas te répondre. Ok les gars, donc à un moment donné, les gars, il faut que soyez des hommes, les gars. Hein, il faut que les gars, faut être des hommes, des vrais hommes, des vrais bonhommes. Ça arrête d'être là, tiens, t'es trop belle. Arrêtez les gars. Tu sais que ça va aboutir à rien. Prends ton temps, focus-toi sur la création d'un business, tu es influenceur 2.0, tu peux te lancer dans 6 mois, 1 an, tu fais déjà de l'argent. J'ai aussi des formations e-commerce. Prends-en une et passe à l'action. Parce qu'en vérité, la femme que tu voudrais, elle va toujours être attirée par des hommes, comment dire, des hommes qui sont au-dessus de la moyenne. Et tu ne peux pas lui en vouloir, tu vois. Si t'es au même niveau que toute la masse, d'accord, même si ta maman t'a dit que t'étais le plus beau et que t'étais unique, la vérité, c'est que si tu fais partie de la moyenne, hein, au point de la perception d'une femme en tout cas, ok, eh ben gars, tu auras une femme de la moyenne, ok. Donc si jamais tu veux augmenter tes standards, tu aimerais avoir quelque chose une femme qui est au-dessus de la moyenne, hein, parce que si tu envoies des messages en DM ou des trucs comme ça en commentaire, eh ben travaille sur toi, travaillez sur vous les gars. Et ça va vous arranger pour tous les domaines de la vie, pas seulement pour attirer la fille, l'influenceuse que tu veux, j'en sais rien, mais que ça soit dans le business, dans les relations, pour tout mon gars. Ça sera un nid à opportunité. Troisième chose que les hommes doivent arrêter de faire, c'est arrêter de dépenser son argent, les gars. Arrêtez de dépenser votre argent dans des choses inutiles. Vous travaillez à l'heure, ça n'a aucun sens de travailler à l'heure et d'après d'utiliser cet argent-là pour pouvoir acheter des choses, pour impressionner des gens que vous n'aimez pas à votre travail, qui vous saoulent, avec un patron dont vous en avez marre et avec Gérard qui a pris des vacances de Noël parce que l'année dernière, tu voulais prendre Noël mais tu n'as pas pu. Non les gars, arrêtez de dépenser votre argent inutilement. Ok, ça c'est super important, c'est la base. C'est ok de travailler à l'heure, d'échanger son temps contre de l'argent au début, mais après, il faut que vite, le plus rapidement possible, tu puisses passer de travailler à l'heure à avoir un effet de levier sur ton temps, c'est-à-dire que tu puisses gagner de l'argent sans que ça soit lié au temps que tu consacres à ton travail. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que cette chaîne-là, tu sais, hein, je vous encourage à créer votre business ou à faire des investissements. Mais pour moi, le premier step, pour moi, c'est de créer son business. Parce que si jamais tu fais des investissements, imagine tu as 5 000 euros, tu fais un investissement, même s'il double à l'année, à la fin de l'année, tu te retrouves avec quoi? Avec 10 000 euros? Tu fais quoi avec ça? Donc, l'effet de levier le plus puissant, ce sera toujours le business, tu vois. Après, une fois que tu as 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, que là, tu l'investis, là, ça a du sens. Parce que si jamais tu mets 5 millions, tu places 5 millions et tu as double, ça fait 10. Voilà, c'est plus la même chose, là, tu vois. Mais ça, les gars, la base, vous ne vous laissez pas engrainer. Vous vivez en fonction de votre train de vie, tu vois. N'essayez pas d'augmenter votre train de vie alors qu'en achetant des crédits, en prenant des crédits, vous tombez dans le piège de 87% de la population et après vous allez tomber dans un engrenage crédit sur crédit sur crédit sur crédit, puis après vous allez être noyé, la tête sous l'eau et votre vie, ça va être difficile de s'en sortir. Parce que quand tu enchaînes crédit sur crédit, quand tu arrives, tu es toujours à moins 100 euros tous les mois parce que tu as des crédits, il faut rembourser les crédits, c'est chaud. Parce que moi, je suis sorti de cette situation.
pas aussi abusé quand même, mais quand il faut rembourser tes crédits, mec, mais t'as beau faire tous les plans que tu veux, c'est chaud, gars. Ça prend du temps. Il faut économiser, il faut réduire son train de vie, il faut augmenter ses revenus. Ça prend du temps. Ça prend du temps, les gars. Ok, donc évitez, les gars, de dépenser votre argent inutilement. Mets-le de côté, investis, tu connais, et surtout, crée ton business. Si tu veux être libre, en tout cas, si tu veux être libre, voyager où tu veux, crée ton business. Si tu ne veux pas prendre Influenceur 2.0, prends pas Influenceur 2.0. Mais en tout cas, lance-toi, fais quelque chose. Tu vois. Il y a plein d'autres formateurs, il y en a plein sur YouTube, tu regardes, je sais. Mais choisis et juste passe à l'action. À chaque fois, je donne les mêmes trois étapes, c'est choisis ton business plan, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire. Influenceur 2.0, tu veux faire Influenceur 2.0 parce que tu as compris que voilà, même Will Smith, il est venu sur YouTube alors que c'est numéro 1 sur Hollywood. Ils sont tous sur Instagram et sur YouTube et ils savent comment, pourquoi, parce que l'attention suit l'argent. Ok, l'attention, elle est où? Elle est sur les réseaux. Donc, je t'apprends exactement comment monétiser cet argent. Je te montre exactement comment avoir différentes sources de revenus, tu vois, et comment les utiliser. Pour moi, YouTube, c'est le futur, c'est le présent, c'est tout ce que tu veux, tu vois. Donc, imagine que tu as compris ça, tu veux faire ça, ou tu veux faire de l'e-commerce. Ok, bah, tu veux faire de l'e-commerce. Tu as choisi ça. Deuxième chose, tu prends une formation parce que tu ne vas pas apprendre tout seul. Arrêtez de croire, les gars, vous allez être sur YouTube et vous allez pouvoir grappiller des informations et après réussir. Moi, je n'ai jamais connu un gars qui a réussi comme ça. Ok, et s'il y en a un, si tu en trouves un, tant mieux. Mais sache que déjà, avec des formations, déjà, c'est chaud. Alors que la formation, c'est un concentré d'en faire sur 2.0, c'est un concentré de mon cerveau. J'ai déjà testé sur plusieurs marchés, sur la santé, sur la musique, sur le business. J'ai fait plusieurs marchés, j'ai réuni toutes les meilleures stratégies qui permettent pour toi d'aller rapidement. Tu accèdes d'un coup, là. Si tu passes à l'action, en plus, c'est un prix super accessible. Tu passes à l'action, tu as toutes les infos, tu n'as plus qu'à passer à l'action, c'est qu'une question de temps après. Et pareil pour les autres formations, tu vois. Donc, une fois que tu as fait ça, tu as pris la formation ou un coach. Troisième étape, tu t'enfermes dans ta chambre. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu bouges plus. Tu bouges plus, tu sors plus de ta chambre tant que l'argent ne sort pas de ton ordinateur. Tu te rases plus, tu te laves plus. Non, ben je rigole, tu peux te laver quand même. Mais les gars, il faut juste rester focus. C'est là où tout le monde se perd et après ils disent « Oh, je comprends pas, ça n'a pas marché pour moi. » Mais sois intelligent. Si tu prends une formation déjà, tu as un concentré de formation qui te permet de gagner du temps. Une fois que tu charbonnes, voilà, tu prends acte de tes erreurs pour pouvoir pas refaire les mêmes erreurs, etc. etc. Et il y a un moment donné, c'est obligé de péter. C'est obligé, en fait. C'est obligé, en fait. Mais c'est le game, c'est à celui qui lâche en premier. Tu vois, donc la troisième étape, tu restes, tu bouges pas. S'il faut que tu restes un an enfermé, tu restes un an enfermé et tu bouges pas. Ça ne servira à rien, c'est pas le moment d'aller être en relation, tout ça, ça va te faire perdre du temps. Tu vois, j'ai pas dit qu'il faut genre pas avoir de meuf, mais ça sert à rien de rentrer dans une relation sérieuse, genre en mode sérieux, tu vois. C'est pas le moment, t'as pas le temps. Reste focus, tu vois. Faut savoir ce que vous voulez, les gars. Ok? Mais plus tu restes focus et que tu prends du temps pour pouvoir développer ton business, plus tu vas exploser. Après, je répète, ça veut pas dire que tu dois pas avoir de, meufs. Que des fois, il y a une meuf qui dit ouais, ça veut dire que tu leur conseilles de même pas aller voir de meufs, rien à voir. C'est juste question que. Si tu commences à partir sur vraiment une vraie relation, j'en sais rien, tu veux emménager avec une meuf, tu veux machin, tu es en train de te construire, tu n'as même pas encore fait de l'argent vraiment. Et ça se trouve, tu es en train de vouloir te mettre avec une meuf que si jamais tu gagnais mieux ta vie, tu ne te serais pas mis avec elle. Okay? Donc, restez focus, les gars. Quatrième chose que les hommes doivent arrêter de faire immédiatement, c'est arrêter de se comporter en victime. Tu vois, arrêtez, les gars, soyez des hommes, les gars. Soyez des bonhommes. Même pour la femme, elle n'aime pas les gars qui... Elle fait genre, oui, non, tu peux me dire tes problèmes. La femme, déjà, elle n'est pas calibrée pour pouvoir entendre tes problèmes. Oui, je ne sais pas comment faire de l'argent. Non, la femme, elle n'est pas calibrée pour ça. Tu es un homme, c'est à toi de gérer ça, tu vois. Donc, les gars, déjà, on a pris le temps pour la femme. Deuxièmement, parce que quand tu chiales, c'est bien beau. Enfin, à un moment donné, si vous aimez chialer, vous aimez faire du violon, ben, achète un violon directement. Ah, blague. On fait des blagounettes, nous. C'est comme ça. C'est cadeau, les gars. Non, mais sérieusement, les gars, ça sert à rien de chialer. Mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai pas de chance? Oui, j'ai grandi dans un quartier. Oui, nanani, je suis noir. Oui, je suis blanc. Oui, je suis tout ce que tu veux. Arrêtez de chialer. Ça sert à rien de chialer, en fait. En fait, quand tu vas chialer, tu verras. Chiale, tu verras. La situation, elle bouge pas. Ça, tiens, rien n'a changé. Tiens, c'est bizarre. Ah non, ça marche pas, en fait. Ça sert à rien de chialer, les gars. Donc, arrêtez de vous comporter en victime. Même les gens du gilet jaune, là, les gilets jaunes. Je vais dire des trucs que personne ne dit. Les gilets jaunes, c'est des grosses victimes, ok? C'est-à-dire, ouais, mais quand même, il faut avancer le mouvement, je sais pas quoi. Écoute,
un gouvernement ne peut pas t'aider, il ne peut pas aider chaque personne personnellement, t'es sérieux? Tu crois vraiment que le gouvernement pense à toi et pense en masse, gars? Si tu veux changer ta vie, prends tes responsabilités toi-même. Moi, j'attends pas que le gouvernement m'aide parce que j'aimerais gagner plus d'argent. Si je veux gagner plus d'argent, ben je me sors les doigts du... Hein? Ok? On va pas être vulgaire. Des fois, ma mère regarde des vidéos. Donc les gars, juste bougez-vous. Arrêtez d'être en mode victime. Et ça marche pour tout. Tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'argent. Arrêtez de faire les victimes. Oh, j'ai pas de chance. Oh, ceci, machin. Juste, ok, comment je fais? Pose-toi les bonnes questions. Comment je fais pour pouvoir avoir changé ma situation? Et ça, c'est un homme. Ça, c'est un leader. Et ça, tu vas attirer des femmes quand tu vas te comporter comme ça. Parce que même les femmes, en plus, elles aiment les hommes qui ont du potentiel. Ça veut dire que si elles voient potentiellement que tu es un gars qui va réussir à assurer financièrement ou à tout déchirer plus tard, il y a de grandes chances que tu puisses dater une meuf qui serait au-dessus de ce que tu pourrais dater si jamais tu étais un gars pas de leadership, en train de chialer. Tu vois, il faut que tu sois le leader de ta life, mon gars. Tu peux pas être toujours en mode victime. Ah ouais, je sais chaud. Ah, mais je sais pas si je dois me lancer. Des fois, je reçois des messages sur Instagram. Ça me saoule. Ah, les gars, ils m'envoient des messages. Des gros bêtas, les gars. Pff. Ouais, je sais pas si je dois me lancer. Ouais, mais j'ai peur. Et si je réussis pas? Mais les gars, soyez des bonhommes, les gars. Putain, on serait à l'époque des Vikings. Vous seriez déjà morts, les gars. Non, arrêtez de chialer, passez à l'action. Y a un truc à faire, tu veux changer ta vie, tu veux une meilleure vie, tu veux de meilleures relations. Eh ben, prends une formation, t'as tout en description. T'en prends une et tu passes à l'action et tu restes focus, tu vois. J'ai l'impression que plus le temps il passe, plus les hommes ils perdent leur testostérone. Mais en plus, c'est vrai ça, j'avais vu une émission là-dessus. J'ai vu une vidéo qui avait circulé qui disait que depuis, je ne sais plus en combien de temps, mais la testostérone, les gars sont moins virils, quoi, moins de testo, tu vois. Les gars, soyez des bonhommes, les gars. C'est incroyable, ça. Okay, n'ayez pas peur d'être des vrais hommes. Ou sinon, soyez des vrais hommes, les gars. Okay, soyez des leaders de votre vie. Okay, et arrêtez d'être en mode fragile comme ça. C'est pas sérieux. Cinquième chose que les hommes doivent arrêter maintenant, c'est d'être des bêtas. Bon, bah voilà, des bêtas, je pense que j'ai déjà commencé à, sans faire exprès sous le point précédent, j'ai déjà commencé à en parler. Et les gars, pour la réussite de votre vie, il faut être un alpha, ok? Et la chance que nous, on a, les hommes, c'est qu'on peut créer notre valeur. Ça veut dire que, contrairement aux femmes, comme je te dis au début de vidéo, les femmes naissent avec leur valeur, les hommes créent leur valeur. Okay, c'est pour ça que je disais voilà, qu'il faut prendre votre temps, ça sert à rien de vous mettre en couple tout de suite parce que vous allez pouvoir créer votre valeur, avoir une valeur plus élevée. Imaginons que vous êtes un 5 aujourd'hui, ben si jamais tu crées ta valeur, tu crées ton business, tu es un leader, etc., tu gagnes bien ta vie, eh ben, tu vas augmenter peut-être à 7, 8. Et donc du coup, vu que tu attires ce que tu es, ben, tu vas pouvoir peut-être avoir une meuf, une Beyoncé, voilà, tu vois, par exemple. Okay, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il n'y a pas de juste est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, hein, etc. C'est juste l'offre et la demande. Okay, une Beyoncé, si jamais tu n'es pas à son niveau, elle ne va jamais te calculer. C'est juste la vérité et nous, les hommes, on le sait. Plus la meuf, elle est fraîche, plus elle a des standards élevés. Donc, si jamais tu n'arrives même pas à ces standards, elle ne te voit pas. Hein, elle est là, elle ne te voit pas. T'es là, non? Non, elle ne te voit pas. Okay, donc ça, on le sait. La chance pour vous, les gars, c'est que nous, on peut monter notre valeur. Donc, soyez des alphas, les gars. Hein, ça va vous permettre d'avoir l'attention, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans les relations, que vous serez respecté. Vous serez des vrais hommes. Les gens aiment les vrais hommes. Okay, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, les gens aiment les vrais hommes. Okay, ils aiment les bonhommes. Donc, arrêtez de rester en mode bêta, machin. Arrêtez de penser que vous êtes des gentils parce que vous suivez le courant idéologique qui est véhiculé dans la société actuelle, etc. Arrêtez de vous faire carotte. Ça ne marche pas, ça. Okay, je me rappelle, il y a un gars qui avait mis un commentaire sur une vidéo que j'avais fait sur les relations hommes-femmes. Un commentaire de bêta, tu vois. Mais il croit qu'il dit les choses qui sont... il dit les choses politiquement bien. Il a dit, ouais, moi, la première chose que je cherche chez une femme, c'est son intelligence. Donc, du coup, j'ai dû lui répondre. Je lui ai dit, écoute, je pense que, en fait, la vidéo ne te concerne pas. Je parle des alphas, en fait. Donc, voilà, il pense que c'est politiquement correct et il pense que ça déchire. Il pense peut-être qu'il va. Il pense que les femmes vont dire, oh, super, j'aime trop comment tu penses. Ah, tiens, vas-y, tiens mon numéro. Non, ça ne va jamais se passer comme ça. Ok, les femmes, elles sont attirées par les hommes. Les vrais hommes qui dégagent de la virilité, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça, même si elles veulent même si tout le monde ment dans les médias et tout. C'était une vidéo à la base un peu business normalement, mais non, même pas forcément, non.
toute façon, je fais ce que je veux, je parle de ce que je veux dans ma chaîne. Voilà. Dernière chose, les gars, arrêtez les OnlyFans là. Arrêtez, les gars. Franchement, par fierté, les gars, juste arrêtez ça. Je ne ferai pas de commentaires. Arrêtez. OnlyFans, c'est pas sérieux, les gars. Si tu veux la meuf d'OnlyFans, ok, au mieux de mettre de l'argent dans OnlyFans, mets-le dans une formation. Hein, c'est le prix de ma formation est le même prix que le OnlyFans. Ok, donc tu prends la formation, tu charbonnes. Ok, dans 6 mois, 1 an, tu vas déjà commencer à faire du cash. Sache que déjà, à partir de 4 000 euros par mois en France, tu fais partie des 20% de la population. Ok, donc déjà, tu es déjà au-dessus, largement. Et je peux t'assurer qu'au lieu de payer l'abonnement de OnlyFans, peut-être qu'après, tu auras une femme comme la meuf que tu es en train de payer l'abonnement. Ok, donc arrête ça. Ok, concentre-toi sur toi. Ok, c'est très important. Et ne sois pas pressé parce que le pic pour un homme, là où il est plus sexy, le plus attirant, le plus attrayant, c'est à partir de 30 ans. Tranquille. Tu vois, la femme, c'est de 20 ans à 30 ans. L'homme, le pic de la femme, c'est de 20 ans à 30 ans. L'homme, c'est de 30 ans à... et plus. Ça ne sera jamais, en fait. C'est pour ça que tu vois des gars de 70 ans, ils sont là, machin. Tu vois que Jay-Z, tu vois, il a 15 ans en moins que sa meuf. 15 ans en plus que sa meuf. 50 Cent, sa meuf, elle a, je crois, 22 ans en dessous de lui. Donc, tout ça pour te dire que ton pic à toi, il sera à partir de 30 ans. Prends ton temps, tranquillement, travaille sur toi, deviens un leader charismatique, déterminé, qui assure financièrement, fait partie des 10%, d'accord? En France, je crois que c'est à partir de 8 000, je crois, peut-être 7 8000, tu fais partie des 10%, ok? Donc vise 10 000 euros par mois, tu vois, c'est accessible quand même. Et charbonne, évidemment c'est accessible, mais ça prend du temps et oui, ça va demander du travail, du sacrifice. Et c'est pour ça que tu vas attirer le respect des gens et attirer et être plus comment dire, attrayant aux yeux des femmes. Pourquoi? Ben parce que tu es différent des autres et tu charbonnes beaucoup plus. Tu es un homme, un vrai homme, quoi. Est-ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu es un bêta et que toi, tu cherches l'intelligence avant tout chez une femme. Je crois que c'est les commentaires des bêtas, c'est ceux qui m'énervent le plus. Les femmes, quand elles ne comprennent pas, bon, c'est pas grave. Je me dis, bon, voilà, c'est normal qu'elles ne comprennent pas. C'est dur à entendre. Mais quand un bêta, il met un commentaire comme ça, ça me rend ouf, en fait. Ça me rend ouf. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si jamais tu veux passer à l'action et créer ton business, cet influenceur 2.0, tu as la formation qui est juste en dessous. Hein, c'est au même prix qu'un home fan, tu verras. Ok, et pourtant, tu as tout dedans, tu as tout et tu as accès tout d'un coup. Donc passe à l'action, arrête de réfléchir. Ok, les alphas ils prennent des décisions et ils passent à l'action. Faut être un leader. Si tu es là, oui, on va au cinéma, je sais pas quel film. Non, les gars, faut prendre des vraies décisions, les gars. Ok, tu veux un truc, boum, tu passes à l'action. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Donc ça, c'est le truc. Ça, tu vois, le problème avec ça, c'est que je consomme tellement de vidéos qu'un riz, genre tout ce qui est relations homme-femme, tout ça, high value man, tout ça, que naturellement, même si je veux parler d'un autre truc, chop, ça revient dessus. Et oui, mon ami. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu consommes. Donc moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Mais imagine, tu consommes que du Netflix. On fait comment? Tu deviens un expert de Viking? Non.